Bonsoir tout le monde, connectez-vous, partagez le direct. Connectez-vous, partagez le direct. Nous allons parler de l'illusion. Nous vivons dans un monde illusionnaire. Nous allons parler de l'assassinat de Martinez Zogo et le rôle du troisième larron. Vous savez qu'il y a un troisième larron. Donc on va parler du troisième larron. On va aussi un peu parler de géostratégie. Donc, connectez-vous, partagez le direct. En attendant que vous vous connectiez, je mets un peu les pleurs du Mbolé. Écoutez comment il pleure. Ce sont les pleurs du Mbolé. Ce n'est que le demi. C'est les pleurs du Mbolé. Je vais vous montrer ses pleurs. Écoutez comment il pleure. La France, dans 2030, ne sera plus dans les 10 premières puissances mondiales. On va être passé par le Brésil, entre autres, et par l'Indonésie, par exemple. Poutine, dans les années 2000 et 2000. Les pleurs du Mbolé. Pleurs du Mbolé. Les pleurs du Mbolé. Hein, au départ, Poutine voulait s'associer aux Européens. On n'a pas voulu le faire pour d'autres, pour des raisons politiques. Et on va le payer très cher. Parce que si c'était associé à nous, ça permettait de faire un bloc qui était homogène par rapport aux Américains et par rapport aux Chinois, alors que là, il s'apprend de s'associer aux Chinois parce qu'il n'a pas d'autre choix. Le problème de la France, c'est que tous les 5 ans, on change de politique. Alors, c'est bien gentil, mais et sur le fond. Quand vous voyez les Chinois, Deng Xiaoping qui dit, à la fin de Mao Tse-Tung, il dit voilà comment on va faire, et que 40 ans après, ils n'ont pas changé, ils sont sur la même ligne, ben, là, vous vous dites qu'il y a une cohérence, il y a une légitimité. Nous, ce n'est pas le cas. Si on veut être vraiment fort dans le monde actuel, il faut qu'on abandonne cette logique de l'instant, qui est la caractéristique des Occidentaux, pour aller dans une logique de vision à moyen et long terme. Quand ensuite ils disent, pour repartir vers l'international, on fait les routes de la soie, la route maritime et les deux routes terrestres, bon, pourquoi on fait ces routes-là? C'est parce que méthodiquement, progressivement, en construisant des ports, en construisant des antennes, quoi, on va peu à peu aller vers l'Europe, ils ont déjà désigné leur cible, hein, et on va aller vers l'Afrique. Donc on est inutile, mais eux, ils ont le temps pour eux. Et nous, le problème, c'est qu'on ne veut pas se donner le temps. On veut réagir tout de suite, ça coûte plus cher, et l'expérience montre que c'est moins efficace. Ça, c'est monsieur Alain Juet. Ça, c'est Alain Juet, monsieur Alain Juet. Ancien agent des services de renseignement. La DGSE, Direction générale des services de renseignement, Direction générale des services d'intelligence, les pleurs du Mbolé. C'est sucré, les pleurs du Mbolé. On les avait dit. Une minute.
Arrêtez-vous, les amis. Ah, le plein du mollet. Ah, vraiment le Dieu. Les Africains, la démocratie. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun, non? Non, vous avez dit. Hein? Ici à Yaoundé, au Sahel, Marcelin Danso, Bernard Chouniat, Gizogo. Ici à Yaoundé, au palais de justice, Marcelin Danso, Bernard Chouniat, Gizogo. Le troisième larron n'a pas de temps. Lorsqu'on avait signé le mandat d'amener à Ferdinand Gongo pour aller l'entendre au tribunal et que nous a élu domicile, au palais de justice de Yaoundé, nuit de jour, ici Yaoundé, au palais de justice de Yaoundé, ouais, on reprend les mêmes équipes, on recommence. Ici Yaoundé, le 7, Marcelin Danso, Bernard Chouniat, Gizogo. Ah, oh, Seigneur, elle dit que j'ai déjà ri, fatigué. J'ai dit que oui, papa. Le troisième larron n'a pas de camp. Non, non, non. Le troisième larron n'a pas de camp. Surtout que, avec tout ce qui se passe, et qu'on connaît bien, je vous avais dit, on avait nommé un général ambassadeur au Cameroun. Vous croyez pas qu'on l'a nommé ambassadeur au Cameroun pour rien. On ne l'a pas nommé ambassadeur pour rien. On l'a nommé ambassadeur pour tout faire. Tout faire pour que le peuple camerounais sorte dans les rues. Je répète ça encore aujourd'hui. Ne croyez pas. Lorsque vous voyez dans un pays, on arrête un directeur de service de renseignement d'un pays, sachez que ce directeur de service de renseignement, il y a deux choses. Soit il a refusé de faire quelque chose et on lui a dit tu vas lire, on va te faire lire. C'est pour ça que nous, on vous avait dit de vous asseoir et de prendre les pop-corn. Et les pop-corn, vous allez les manger jusqu'à... Ça sera le feu. Parce que nous, on continue de vous dire... C'est vous la cible. La cible, c'est pas Paul Biya. La cible, ce n'est pas Ngongo. La cible, ce n'est pas le ministre Esso. La cible, ce n'est pas M. Moutazé. Ce n'est pas ça la cible. La cible, c'est vous. Les 30 millions de Camerounais, c'est vous comme cible. On ne veut pas que vous raisonniez. On veut que vous partiez dans le sens de l'émotion. Parce qu'avec de l'émotion, vous n'allez pas réfléchir. Vous allez poser le premier acte qui va venir. Suivi de regrets après. Ne croyez pas. On vous a dit que wow, les révolutions de couleur. Wow, Mohamed Bouazizi s'est immolé en Algérie, en Tunisie. Wow,
Les gens se sont soulevés en Syrie. Les gens se sont soulevés à Benghazi. Les gens se sont soulevés en Égypte. Tout ça, c'est le peuple. La cible de tout ça, c'est le peuple. Mais il faut bien savoir lire ces choses. Attendez, donnez-moi une minute. Dans l'air au nouveau là. Ok. Mon cher ami, l'hôtel que M. Foyou construit à Yaoundé, c'est bien. Mais nous, on connaît d'où vient l'argent. C'est pour ça que nous on l'encourage. Parce que nous, on connaît d'où vient l'argent. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème. Puisque l'argent là, ça vient du Cameroun. L'argent là, c'est l'argent qui sort des caisses de l'État. On connaît. Donc, pour nous, c'est pas une mauvaise chose. Donc, pour nous, c'est pas un problème. Puisqu'on connaît. Donc, on ne peut pas en vouloir à M. Foyou. On ne peut pas l'en vouloir. On est content parce que ça va rester au Cameroun. Puis d'aller construire ça en Afrique du Sud, comme les autres ont fait. Bétail construit ça au Cameroun. C'est ça qui est la question. Ça, c'était une parenthèse pour te répondre, frère. Bon, si tu dis pourquoi toujours les mêmes, parce que chez nous, nous sommes arrogants. Dès qu'un gars de la forêt a un peu de l'argent, c'est bien de tout ce que tu crois qu'Amou Goubelinga est le seul milliardaire au Cameroun. Il n'est pas le seul milliardaire. Pourquoi toujours être devant pourquoi toujours chercher à être sur les feux des projecteurs alors que tu n'es pas le premier milliardaire camerounais. Il y en a. Et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Tu voyais le père Fosso se déplacer au Cameroun. Le père Fosso, il faut voir comment il s'est déplacé. Tu voyais le père Kaji se déplacer à Douala. Tu vois le père Monkam se déplacer à Douala. Tu vois le père Nouchungun se déplacer à Douala. Je peux en citer. Il y en a qui sont comme ça. Discret, le feu sort. Chez nous, on se déplace avec 10 véhicules. Je me rappelle quand mon frère James avait le vent en poupe. Je me rappelle bien de cette époque. Quand James arrivait à Bafia là-bas, mon ami. Hey, mon frère, le cortège, c'était au moins 20 véhicules. Mon cher ami, tu parles pas comme ça là. C'est ça qui nous tue. C'est ça qu'elle dit, non? Qu'il faut apprendre la discrétion.
La discussion est très importante dans un environnement comme le nôtre. Très important. Je dis bien très important. Il faut être, quand tu atteins ce stade, il faut te faire connaître dans les fondations. Tu fais des cadeaux à gauche, tu fais des cadeaux à droite, tu fais des cadeaux à gauche, tu fais des cadeaux. C'est là où la fondation d'Amogubelinga a fait quelque chose. La fondation. Oui! Ça permet de donner une autre image de toi. Oui. Parce que tes adversaires ne pourront pas t'atteindre. C'est la même chose. Notre frère qui avait un soka épée, c'est la même chose. Notre frère qui avait un soka épée là. Le Colomban. C'est la même chose. Les fêtes bizarres qui n'ont pas de sens. On fait venir les artistes congolais. Ça sert à quoi? Lorsque tu as atteint ce niveau-là, gars, calme-toi, tu as sauté la corde. Tout ce que tu restes à faire, c'est faire. Ajoute derrière toi plusieurs enfants de ta région pour que vous formiez un bloc solide. Pour que quand un est en difficulté, un passe devant, il dit j'ai acheté. Mais en réalité, il n'a pas acheté. C'est pour protéger les choses de son frère. Exemple, pour que tu comprennes bien ce que ça vient de t'expliquer. Lorsque vous voyez un gouvernement d'un pays, je veux que vous m'écoutiez très bien. Lorsque vous voyez un gouvernement d'un pays qui dit, parce que c'est très important, on est encore dans les divers, hein. C'est ça que je te dis, non, mon frère. C'est ça que je te dis, non, Barga. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne ça. La discrétion. Lorsque tu as atteint un niveau où tu as beaucoup d'ennemis, tu dois ouvrir le côté de la fondation. C'est la fondation là qui va abattre tout le monde. C'est la fondation là qui va abattre tout le monde. Dès que vous parlez de toi, de que le gars là, non, laissez le gars là tranquille. Lorsque vous voyez un gouvernement d'un pays, moi je dis toujours aux gens que nous vivons dans un monde d'illusions. Mais il est difficile de faire accepter quelqu'un que tu vis dans un monde bâti sur de l'illusion. Il va te prendre pour un fou. Lorsqu'on m'a enseigné la géostratégie, on m'avait dit, Abdel, chaque mot a un sens. Mais tout le monde dit, continent européen. C'est l'exemple que je prends. Hein. Croyez-vous que l'Europe est un continent? Lorsque tu prends la définition du mot continent, lorsque tu prends la définition du mot continent, ça ressort clair que l'Europe n'est pas un continent. Et tous les jours, on vous dit, on vous a obligé de dire le continent européen. Le continent, vaste étendue de terre, émergée, considérée comme une partie du monde et à laquelle on rattache des îles proches. D'après cette définition, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est eux. Si tu prends les pays de l'Europe, là, qui montent là, qui montent, ça traverse, ça va en Russie, ça part en Asie là-bas. Tu comprends que l'Europe, c'est le continent asiatique. Parce qu'on bonjour. Où tu vas maintenant rattacher les îles. La Grande-Bretagne. La Corse,
Simple comme bonjour. C'est pour ça que lorsque tu ne comprends pas que les médias disent tous les jours la guerre en Ukraine, c'est un an, on fait des discours, un an de guerre en Ukraine, la Russie a envahi, que la guerre ça dure un an. La guerre en Ukraine a commencé depuis 2014. Vous calculez de 2014 à 2023. C'est ça la vérité. Mais comme nous vivons dans un monde bâti sur de l'illusion, nous ne pouvons pas être nombreux à savoir que la guerre en Ukraine a commencé depuis 2014, depuis le coup d'état de Maïdan. Donc, si tu entres dans ça là, sans comprendre de quoi on parle, ça va t'arriver. Lorsque vous pensez qu'on a nommé un général ambassadeur au Cameroun, c'est parce qu'il vous aime beaucoup. Oui, parce qu'il vous aime. Ce monsieur, quand tu suis son parcours, nous on a suivi son parcours. Et je vous rappelle, il a les promotionnaires là au Cameroun qui sont dans les sphères de la haute administration des services de renseignement. Oui. Là, il est à son premier bas. Il est à son premier jeu. Pose ses pions. Wait and see. C'est pour ça que lorsque tu vois un pays, le gouvernement d'un pays, dit non, vous les citoyens, vous ne devez pas mettre l'argent ensemble pour faire les affaires. Le gouvernement va dire ça lorsque vous vous êtes réunis en public. Vous avez cotisé l'argent, vous avez dit nous voulons faire telle chose. Le gouvernement va vous interdire. Je veux que vous m'écoutiez bien. Si vous vous réunissez avec pour but de collecter l'argent au Cameroun, vous ouvrez un exemple, une entreprise de téléphonie mobile, le gouvernement va vous interdire. Mais si vous collectez votre argent sans dire à quelqu'un, vous donnez à une personne que ouvre-nous une société de téléphonie mobile, ça passe. Parce que vous êtes dans un pays qui n'est pas encore entièrement souverain. Je prends exemple. Depuis que notre frère Bassa cultivait ces choses à Yabassi, faisait sa culture à Yabassi, tu lui donnes l'argent. Il te dit que bon, l'argent que tu m'as donné, Je vais cultiver le pistache. Je vais cultiver le pistache. Je vais vendre ça. Quand tu m'as donné 500 000, je vais te donner dans les 500 000 que tu m'as donné, je vais te donner 800 000 après telle période. Celui qu'on appelait le Clifat. Je veux que vous écoutiez bien. Il faisait son affaire. Ça ne faisait pas de bruit. Le Clifat faisait son affaire, ça ne faisait pas de bruit. Tu partais, tu donnes ton argent, il va à Yabassi, il cultive ça, soit sur le pastèque, il va cultiver, il récolte, tu lui as donné 800 000, il vend, il va te dire, dans les 800 000, tu vas donner, tu peux te donner 1 million, 400 000, donc 800 000 ont produit, tu peux te donner 1 million, 200 000, donc 800 000 ont produit 400 000. En telle période, il faisait son affaire tranquille. Les médias, les journalistes sont venus mettre la caméra.
Parce que ce que vous ne connaissez pas, les journalistes dans un pays néocolonial, où ce sont les endocolons qui vivent sur votre dos, dès que vous venez avec une idée, les endocolons vont voir automatiquement leur danger. C'est ce que je chante tous les jours. Que même ce que nous faisons là, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Parce que l'endocolon se sent directement menacé quand tu poses un acte. Parce qu'il vit sur ton dos. C'est toi qui dois travailler pour que lui, il mange. Il roule avec la voiture. Donc, il ne peut pas accepter pour que vous soyez libre. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Dès que les journalistes sont venus, on a fait la publicité sur lui. On dit que c'est fabuleux, c'est fabuleux. Après, le ministre a sorti le communiqué. Il a profité de l'affaire Emile Parfait-Sim. Il dit non, 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 non. Même le PRIFAP doit plus collecter de l'argent pour travailler sa terre. Bon, si les gens ne comprennent pas dans quoi nous sommes, ils continuent de penser. J'ai un ami ici qui m'a dit, Abdel, tu as raison sur toute la ligne. Le gars, ses enfants, il oriente ses enfants dans les domaines de sport. Il dit que s'il connaît déjà lire et écrire, et qu'il a un métier qu'il a fréquenté ici, là, ce qui est important pour lui, qu'il fasse le sport. Que c'est le sport qui donne l'argent. Lui, il est un docteur. Il n'a pas d'argent. Mais il y a beaucoup de personnes qui continuent de croire que si tu envoies ton enfant à l'école, il va avoir des doctorats, les machins, il va avoir l'argent. Comme si on les a dit que il y a une corrélation entre faire les bonnes études et l'argent. Ça n'a rien à y voir. Chercher l'argent, c'est avoir un métier ou bien faire un business. Ça ne veut pas dire faire les longues études. Non. C'est quand tu vis dans le monde de l'illusion que tu crois à ça. C'est quand tu vis dans le monde de l'illusion que tu crois à ça. Tu as ton fils, que tu contemples que l'enfant a des qualités en telle chose, telle chose, telle chose. Tu dis que non, 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 il ne veut pas ça. Va faire l'école. Eh oui. Va faire l'école. Après, je te mets à te plaindre. C'est ça le monde de l'illusion. Nous sommes dedans. Nous avons 70 ans. Un système, et pour que ce système perdure, il faut que ce système soit nourri en permanence. Et pour que le système soit nourri en permanence, il faut qu'il y ait plus de personnes qui visent les parties de ce système. Le premier escalier du système, c'est les études. Le premier escalier, c'est les études du système. Si tu veux sortir du système, tu l'entres dans le business. Tu es hors système, tous ceux qui sont sortis du business.
Maintenant, le système va maintenant se rendre compte que maintenant, il y a ceux qui sont sortis du système. Il faut que je me rattrape devant. Donc, le système maintenant ouvre maintenant les entrées de l'autoroute pour tous ceux qui sont sortis du système pour reprendre les autoroutes devant. À ce moment-là, on vous respecte. Or, au même moment, d'après les enseignements africains, ce que mon père m'expliquait, mon père me disait, la connaissance africaine était basée sur 2 heures de théorie, 4 heures de pratique. Exemple. Lorsque tu pars, tous ceux qui connaissent la science du Ngambi, j'ai été élève, on m'a un peu enseigné le Ngambi, mais j'ai laissé en cours de route. Parce que ma mère, c'était l'école. La science du Ngambi dans les villages. Le Ngambi, c'est une technique de nos ancêtres pour connaître le futur de chaque individu de la société. C'est une science, c'est l'école. Lorsque tu vas aller chez ton professeur, il va prendre un temps pour te parler. 2 heures. Le reste de la journée, c'est aller en brousse, cueillir les feuilles d'un arbre spécifique, aller mettre ces feuilles à l'entrée du trou du grand araignée. Le matin, vous vous levez, vous repartez, vous récupérez les feuilles que l'araignée a fait des petits trous. Je vous dis ce que je dis là, il y a vu. Donc on ne me dit pas. Tu as des petits trous ronds, verticaux, c'est les chemins. Petit dessin. Tout ça, ça a des signes comme le dictionnaire. Le pater là, il a des planches comme pour les, comment on appelle ça, comme l'école coranique. Sauf que pour lui, c'est léger. Ça se casse pas. C'est, tu peux plier ça comme ça là. Je peux dire, mais c'est quoi? C'est quelle matière? Il me dit, laisse. C'est écrit. Ça signifie ça. C'est écrit, je dis bien, en bafia. Quand le trait est vertical, ça signifie que. Quand c'est un rond, ça signifie que. Quand c'est un triangle, ça signifie que. Quand c'est. Oui, il y a aussi les brindilles. Il y a aussi les brindilles. Les brindilles, c'est une petite touffe. Comme ça. Il avait comme ça entre ses mains. Il pose quelque chose sur ta tête. Il te dit, baisse la tête, tu baisses. Ça tombe. Il lit. Après, il verse les brindilles sur la table. Ces brindilles ont déjà été marquées. Écrites. Tout est écrit sur les brindilles. Écrit. Maintenant, avec les explications. Lorsque tu as fait cette école, tu penses que tu vas aller dessiner les brindilles. Lorsque ton professeur va finir de t'enseigner maintenant, on te fait maintenant asseoir maintenant. Reproduis maintenant toutes les explications, tout ce que tu connais, on t'a expliqué sur les brindilles. Tu te mets donc à dessiner les explications sur les brindilles. Telle, ça signifie telle chose, ça signifie telle chose, ça signifie telle chose. Et il y a une face, il y a deux faces. Quand on jette les brindilles sur la table, pap, chaque brindille qui va montrer une face, soit l'autre face, il connaît, interprète, comment on a te dire. C'est la même chose avec le Ngambi.
Nous avons dit chez nous, il y a deux sortes de Ngambi. Le Ngambi qu'on a des brindilles, petit paquet comme ça qu'on arrête entre les mains, on met un verse sur la table. Quand tu remontes au nord Cameroun, là-bas c'est le sable fin, on va dessiner sur le sable fin, avec les versets coraniques. Il essuie le sable, il dessine, en récitant les versets coraniques. C'est l'école basée sur peu de théories, beaucoup de pratiques. On est donc venu avec ce système, on a renversé beaucoup de théories, peu de pratiques. C'est pour ça que vous avez en Afrique, au Cameroun en particulier, de la sixième en cinquième, de la sixième en terminale, peu de lycées ont de laboratoire. Parce que celui qui enseigne n'est pas capable lui-même de reproduire les expériences chimiques en laboratoire. Et on l'a enseigné théorie. Et quand tu vas à l'université, peu de professeurs de physique peuvent te manipuler les produits chimiques en laboratoire. C'est pour ça que lorsque je vois le père Femme Ndongo faire beaucoup d'années au ministère de l'enseignement supérieur, il n'ouvre pas polytechnique au sud de Cameroun. Je dis, mais nos parents là, ils pensent quoi dans leur tête? Ils pensent quoi? Je le répète à chaque fois dans mes directs. Pour être ministre en Chine, d'abord, le premier diplôme qu'on te demande pour être ministre en Chine, diplôme d'ingénieur. Un ingénieur, ils ont un langage universel dans presque tous les domaines. C'est pour ça qu'en Chine, vous avez une politique basée sur le pragmatisme et le réalisme. En Occident, on a une politique basée sur de l'illusion. Et c'est ça qu'on a amené chez nous. Où des gens en veste et cravate, je prends notre exemple. Vous voyez un pays comme la France, on est en train de la démanteler devant nous tous. Le peuple français a contribué à la construction des barrages de production d'électricité. Le peuple français a construit des centrales nucléaires. 70 ans plus tard, des politiciens paresseux, des politiciens incompétents, des politiciens bandits ont récupéré le pouvoir en France, ils ont chassé le général de Gaulle. Je veux que vous écoutiez bien ce que je viens de vous dire. Et c'est ça qu'on vise au Cameroun. Je vous dis, hein? Lorsque un bandit récupère le pouvoir de vous gérer, c'est votre fin. Comment on peut demander à un criminel de faire une enquête? Vous pensez que l'enquête là va aboutir à quoi? Ils ont, je vous rappelle que le général de Gaulle n'avait jamais aimé cette histoire de démocratie. Il était opposé, d'ailleurs lui-même ne voulait pas. Il s'en méfiait beaucoup. Il disait que c'est une porte à la déstabilisation. Il pensait que le peuple était avec lui. Le jour où il a fait le référendum, le peuple, les mêmes politiciens incompétents, bandits, ont manipulé le peuple pour voter non. Le général de Gaulle est parti. Le peuple français pleure le général de Gaulle aujourd'hui. Voyez-vous en France, avant de finir avec la France, moi je suis au Québec, au Canada.
la province du Québec a sa première ressource qu'on appelle l'énergie. C'est une province qui a plus de 80 barrages de production d'énergie. Il y a des États aux États-Unis que leur énergie provient exclusivement de la province du Québec. Et cette province a une société qu'on appelle Hydro-Québec. Viens dire aux Québécois ici que vendeur Hydro-Québec, le premier ministre québécois qui va privatiser Hydro-Québec, on va le virer. Parce que c'est la première ressource en matière de devise pour la province. Mais en France, vous avez à l'époque l'État français, Électricité de France, et vous avez les barrages, vous avez la société française. On produit l'électricité, Électricité de France distribue l'électricité. Mais il a fallu que les bandits mafieux, les Macron, les Bruno Le Maire, toute cette bande d'incompétents, je vous redis encore, prenez chaque individu homme politique français depuis les 30 dernières années passées. Vous allez trouver que tous sont des hommes politiques dont les origines sont liées avec l'Europe de l'Est. Sarkozy. Balladur. Mitterrand, Damana, Castaner, Ciotti, Zemmour, tous, la société française ayant été infiltrée jusqu'à l'os, ces gars ont décidé de détruire le pays qu'on appelle la France. Du jour au lendemain, via ce qu'ils ont appelé l'Union européenne, on a décidé à la France de produire son électricité et de mettre à la disposition de l'Union européenne qui va mettre l'électricité produite par la France sur le marché d'électricité créé virtuellement. Afin d'y apposer des prix. Que l'électricité de France doit racheter afin de distribuer aux citoyens français. Résultat de course. L'Allemagne, qui avait une obsession de l'indépendance énergétique de la France, pour l'Allemagne, c'était inadmissible que la France ait une indépendance énergétique. Il fallait mettre ça entre le verrou. On a imposé à la France, si vous voulez avoir le couple franco-allemand, il faut que vous donniez quelque chose. C'est comme ça que les Mitterrand ont signé les accords qu'au futur, il y aura un marché de l'Europe. Vous voyez le résultat aujourd'hui. La France est en train de perdre partout. On a commencé à la chasser en Afrique et nous sommes contents. C'est parce que le but, comme je le dis tous les jours, le monde d'avant, il faut bien savoir qui étaient les acteurs du monde d'avant. Le monde d'avant a connu l'Empire britannique, l'Empire français. Ce sont ces deux empires qui ont dominé
une certaine époque. Mais sauf que l'Empire français ayant cessé d'exister, il faut tout faire pour organiser les funérailles de l'Empire français. Et Macron est venu organiser les funérailles. Son rôle, c'est d'organiser les funérailles de la France. Et il est en bon chemin d'organiser les funérailles de la France. Vous-même, vous connaissez les méthodes de la France. Quand ça ne marche pas en Afrique, exécution. On éliminait. On assassinait le président. Aujourd'hui, c'est terminé. Lorsque je suis M. Ayong, je vais pleurer. Nous sommes contents. Repartons maintenant au Cameroun. Vous allez remarquer une chose. Quels sont les métiers taxables? D'après le monde illusoire, tous les métiers sont taxables. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais dans la réalité, il y a des métiers que comme tu fais ce métier, tu ne payes pas de taxes. Et c'est là-bas où on fait beaucoup d'argent. Non? On les a donné un nom. Je suis un trader. C'est quoi un trader? Non, c'est un trader, c'est quelqu'un qui prend de risques. Ah bon? Donc, parce que tu prends des risques, tu ne vas pas payer des taxes. Voilà un métier qui ne paye pas de taxes et impôts. Ah, Seigneur, nous vivons dans le monde de l'illusion. C'est pour ça que moi, quand je reste comme ça, je ris. Je soulève le pied. Il y a une seule chose que j'ai dit au peuple camerounais. Priez Dieu. Que rien n'arrive à Paul Biya. Je vous jure. Le Cameroun sera un no man's land. C'est moi qui vous dis. Le Nord va bagarrer entre eux, mais à la fin, ils vont créer un bloc autour de la religion islamique. Il faut que vous ouvrez grandement vos oreilles. J'ai déjà dit ça. Je répète encore. Ils vont former un bloc autour de la religion islamique. Ils vont faire ce qu'ils ont toujours eu à faire par le passé. Chercher à soumettre les chrétiens dans le nord. Dans la zone des montagnes, ils vont se retourner autour de chaque chefferie va se constituer en forteresse. Le seul endroit où il n'y aura pas d'intérêt commun, c'est chez vous, chez nous. Parce qu'il faut savoir que, écoutez le discours des gens, quand on parle, l'État doit, à chaque fois que tu entends sur les plateaux de télévision, les discours, ceux qui ont dans la bouche le mot État
sont les ressortissants de la zone forestière. Ils n'ont plus aucun bouée de sauvetage. Et le colon connaît. Le colon connaît. C'est pour ça que le colon veut le chaos. Pour que cette soi-disant élite qui forme un petit noyau autour du président Biya soit ébranlée à la racine, ça sera le chaos. Parce qu'ils n'auront sur rien s'agripper. Rien du tout. C'est de ça qu'il est question. Ils n'auront rien où s'agripper. Lorsque tu ne sais pas que l'État a des représentants, le peuple a les représentants. Mais sauf que l'illusion fait croire aux gens que le gouvernement dans une république travaille pour le peuple. Non. Il faut que vous lavez votre cerveau. Le gouvernement dans une république travaille pour les intérêts des membres de l'État. Vous n'êtes pas membre de l'État. Vous avez vos représentants. Il faut comprendre ça. C'est sophistiqué de comprendre ça. Regardez bien que dans notre système, si l'élite qui mange là comme ils veulent, travaille dur, comme le petit peuple, depuis ils allaient bagarrer pour la libération. Mais puisqu'ils savent qu'ils ne travaillent pas, ils ne fournissent pas d'efforts. Mais c'est eux qui ont les 80% de la production nationale. Ça ne les gêne pas. Ils ont les bons de carburant, ils ont les véhicules, ils sont logés, l'électricité payée, téléphone payé. Vous pensez qu'ils peuvent accepter que le système finisse? Ça ne peut pas finir. Le système est conçu pour eux. Il ne peut pas assurer que ça finisse. C'est-à-dire que tout ce que vous, le petit peuple, vous allez vouloir faire, ils seront toujours en opposition. C'est la réalité. Les gars se rendent compte parce qu'ils ne souffrent pas pour avoir le style de vie qu'ils ont. Ils ne souffrent pas. Papa, il faut voir les petites mamans qui se lèvent pour aller à Youpé, les revendeuses du poisson. Elles se lèvent à 4 heures pour aller à Youpé. Il faut voir les petites revendeuses de condiments au marché Sandaga, à Douala. 4 heures. Il faut voir les petites revendeuses de pommes à l'ancienne gare de Douala. 4 heures. Ça, c'est la réalité. Il faut voir les cultivateurs de cacao. Il faut voir les abatteurs d'arbres. Tout ce que j'ai cité récemment. Il faut voir les gens qui
recueillent les VA, qui font la collecte de l'EVA, de la sève de l'EVA. Ils se lèvent à 4 heures. Ils passent d'arbre en arbre. Ils enlèvent les petits gobelets, ils versent. Ils taillent. Ils reposent le gobelet pour que la nouvelle sève continue de couler. Si la plantation a comme ça 10 000 pieds d'EVA, ces gars doivent tailler cette EVA le matin, le soir. Le matin, le soir. Mes chers amis, vous croyez que si ces hommes enlevaient ces cravates-là, faisaient ça, depuis qu'ils allaient renverser la pyramide, mais ils ne fournissent pas d'efforts. Zéro. C'est pour ça que le système est là. Ça les arrange. Ils préfèrent être les esclaves des autres peuples. C'est cet esclavage accepté par l'élite que les Occidentaux ont donc décidé de reproduire ça chez eux sur leur peuple. C'est ça qui est la question. Comment vous allez comprendre? Le Mali fut une grande démocratie félicitée par tout le monde en Afrique, dans le monde. Mais les gens refusent de faire le bilan de la démocratie. Il faut que vous, les peuples, fassiez le bilan de la démocratie du Mali, du Bénin, du Niger, du Sénégal. Il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan de la démocratie. La démocratie, pour la première fois en Afrique, on a vu un président africain déclarer qu'il n'a pas besoin d'une armée, que l'armée coûte cher. Alpha Omar Konaré, pour la bonne marche de la démocratie malienne, il a sacrifié l'armée malienne, démantelé toute l'armée malienne avec son ami ATT. Burkina Faso, pareil, Blaise Compaoré a détruit la révolution. On lui a dit, tant que tu seras président, tu n'auras pas de problème. Regardez vous-même de vos propres yeux. On nous dit que la démocratie, c'est une bonne chose. Au même moment, je viens de vous montrer Alain Juillet, qui dit que la démocratie, changer le président à tout vent, n'est pas une bonne chose. Des gens qui nous ont vendu que la démocratie, tous les 5 ans, tous les 6 ans, c'est une bonne chose. Tu oses dire que ce n'est pas bon. Qu'il n'y a pas de stabilité politique et de projet à long, à court et à moyen terme. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et vous avez des gens, des jeunes Africains, qui continuent de crier sur toutes les toitures. Lorsque les djihadistes tuent le peuple malien, la CDAO ne dit pas qu'il nous faut constituer une armée de la CDAO pour aller lutter contre les terroristes. Lorsque les djihadistes tuent les Burkinabés, comme on a tué là 5 ans, la CDAO ne dit pas qu'il nous faut mobiliser les armées de la sous-région pour aller faire la guerre aux terroristes. Non, la CDAO ne dit pas ça. Lorsqu'on tue des militaires en Guinée, la CDAO ne dit pas que
Non, il y a la guerre en Guinée. Il faut qu'on parte faire la guerre en Guinée. Mais lorsque les militaires qui meurent au front décident de chasser les politicards par ce voleur et récupérer le pouvoir et de mettre au pas les djihadistes, la CDAO dit que la démocratie, nous voulons les présidents élus. Nous ne voulons pas les militaires. La CDAO, là, elle travaille pour vous. Moi, j'ai passé mon temps ici à vous lire la charte de l'impérialisme. Dès que tu acceptes les troupes de l'ONU sur ton sol, sache que tu as appelé les rebelles. Les rebelles vont envahir ton pays. Aujourd'hui, on découvre que c'est l'ONU, c'est la MONUSCO en RDC qui est le M24, le M23. Le jour, ils sont MONUSCO. La nuit, ils sont M23. Le jour, ils sont MONUSCO. La nuit, ils sont M23. C'est ce qu'ils faisaient au Mali. Les Maliens ont dit, ça sera vous ou nous. Ils les ont chassés. L'ambassadeur, le petit ambassadeur, a voulu parler. On a dit, dégage! Parce que les Maliens ont dit, j'exhorte le gouvernement malien de nous. Faut jamais perdre de vue, mes frères maliens. Samori Touré, votre ancêtre, a lutté contre l'armée coloniale française pendant 15 ans. Ça veut dire 5, 10, 5. Samori Touré a lutté contre l'armée coloniale française pendant 15 ans. Donc, ne pensez pas un seul instant que quand vous luttez là contre le colon, c'est fini. Vous devez vous mettre dans votre cerveau. Vous devez modifier vos manuels scolaires. Inculquer à vos enfants la défense de la patrie. Inculquer à vos enfants avec la nouvelle éducation que vous allez mettre sur pied pour que les enfants grandissent tout en sachant clairement qu'ils ne rêvent pas du bien. Les gens étaient dans les villages maliens, ils vivaient tranquillement sans problème. Avec le soleil, ils avaient faim, ils s'en foutaient, ils savaient qu'il va aller au champ. Si ça a donné, il va dire Alhamdoulaye. Il prend ce que la terre a donné, il part préparer, il mange, il dort, il attend le lendemain. Il ne demandait pas aux gens des oumes. Les gens se rendent compte qu'au Mali, il y a de l'hydrogène à exploiter en infini. On décide de diviser le Mali. Parce qu'il y a du pétrole, le gaz, l'or en infini. On décide de diviser le Mali. C'est pour ça que j'insiste de me répéter ici que le Cameroun, le Mali sera petit. Ils vont éclater le Cameroun à tel point que... Parce que pour que le capitalisme existe et s'enracine, il faut qu'il y ait beaucoup de pauvres. C'est le béaba. La dérivée du mot capitalisme, ça, la dérivée de ce mot, c'est pauvreté. Pour que le capitalisme se porte bien, il faut qu'il y ait plus de pauvres. Vous avez l'exemple des États-Unis d'Amérique, non? Il y a les États où il n'y a plus rien. Ils vivent que des subventions de l'État fédéral. Plus d'entreprises, plus rien. La vérité.
lorsque nous, nous voyons ça, on voit ce que font les fonctionnaires, je répète encore, les fonctionnaires camerounais véreux. Parce que tous ne sont pas véreux. Il y en a qui donnent leur cerveau pour que le Cameroun ne tombe pas. Mais c'est pour ça que nous interpellons une fois de plus le président Biya. J'ai pitié de lui parce que je vois qu'il a 90 ans. Je vous avais parlé ici de Mugabe, de Grâce Mugabe. Mais la malchance qu'ils ont, et ça, c'est là où tout se joue. Parce que M. Aïdjo, en donnant à M. Biya le pouvoir, il a donné à M. Biya le pouvoir avec le mystique qu'accompagnait le pouvoir d'Aïdjo. Aïdjo a passé à M. Biya ce pouvoir avec le mystique. Derrière Aïdjo, M. Biya a ajouté d'autres mystiques. Ça devient très compliqué. C'est pour ça que lorsque l'ambassadeur de France à Yaoundé dort, les Camerounais dorment dans son cerveau. Tout ce qu'il pense, il récupère. Je dis que lorsque l'ambassadeur de France dort là à Yaoundé, les Camerounais ont pour mission de dormir avec lui sur son propre lit. Il ne voit que du feu. Tout, il respire. On prend le nombre de battements de son cœur. On sait qu'il a respiré tant de fois la nuit. C'est à cause de ce pouvoir qu'on peut tout voir à Yaoundé. Même si tu es fort, comment? Mais dès que tu atterris en Simalène, tu vas lire. C'est ça qui leur pose problème. C'est un gros problème. Je dis bien un gros. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous allez voir M. Biya aujourd'hui. Il est vieux. Il ne marche même pas. Deux semaines, trois semaines, vous le voyez. Shogun. Imagine là. Ah, c'est pas pour dire qui était là l'autre jour, comme si va mourir. Vous le voyez aujourd'hui, trois semaines plus tard. Shogun. Imagine Shogun. Shogun. Imagine. Merde, le vieux, s'il est là, mon cher ami, ce sont ces choses. Mais c'est parce que quand je parle de ça, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas seulement. Vous ne comprenez pas seulement. Faites des choses hors du Cameroun. Papa, tu atterris là. On dort avec toi. On dort avec toi. Tout ce que tu as fait la nuit, tout ce que tu as pensé, tout ce que tu... on est au courant de tout. Nous s'assoit, on croise les bras. On attend. Est-ce que vous pouvez vous imaginer depuis 2018 ce que le pays l'a rendu? Tu vois, pas 2018, depuis Boko Haram, depuis les premières attaques de Boko Haram, connaissez ce que le pays l'a a traversé? Macron est venu au Cameroun voulant venir faire les machins de petits jeux, la nuit. Parce que le jour, il a voulu sortir le jour. On a arrêté les pieds, on a dit que Tom Gassi,
n'a tiré, vrut. Ouga a compris que, hé, hey, l'affaire ici, donne ici. La nuit. Ben non. Ouga qui partait parce qu'il voyait clair. Ça l'a dépassé. Dans l'avion, il a signé que non, un civil ne peut rien là-bas. Il a nommé un général dans l'avion. Vous croyez que c'était pour rien? Donc vous croyez que c'était pour rien? Il est venu essayer que je veux voir si je peux. On a arrêté ces deux pieds, on a tiré vrut. Alpha, toi ici. Vous avez dit que, mais, si le jour on fait ça, la nuit, ça sera comment? Hein? On part vite. Dans l'avion, il a nommé général. Qu'il n'y a que le général qui peut faire quelque chose là-bas. Un civil ne peut pas. Je suis d'accord avec toi, Georges. Sauf que, Georges, ils ont alimenté un serpent à plusieurs têtes. Et lorsque tu alimentes un serpent à plusieurs têtes, il finit toujours par te mordre. C'est ça qui s'est passé. Or, le monde qui nous gouverne aujourd'hui a été bâti sur de l'illusion. Et cette illusion a été entérinée en 1945 lors de la création des institutions de Bretton Woods. C'est là où on a entériné le monde bâti sur de l'illusion. Marcus, tu ne peux pas comprendre ce que nous on connaît. Laisse. Ça, c'est un petit niveau que tu parles là. Ça, c'est le petit niveau. C'est un petit niveau là-bas. Mais le scénario a été très mal écrit. Ils ont oublié un détail très important. Qu'il fallait écrire le scénario et rester l'appliquer étant hors du Cameroun. Écrire le scénario, c'est une chose. Venir au Cameroun, tu entres en Simalène, tu ne te poses pas la question. Pourquoi on a conçu l'aéroport en Simalène, dont tu crois que c'est le seul endroit? Si tu réponds, tu crois que la Vierge Marie est sortie en Simalène? Oh, en Simalène, on a apporté les choses, on est en dormi là-bas. Lorsque vous comprenez rien, là c'est ce que vous ne devez même pas savoir. On ne doit même pas vous dire. On pouvait vous garder en boutique. Comme vous êtes là en boutique, on vous garde. On est bon. Laissez cela, ils ne comprennent encore rien. Avant l'aéroport, c'était quoi en Simalène? C'était la Vierge Marie. Après l'aéroport est venu. C'est pas ça. Dès que tu atterris là-bas, djoum. On va tout lire. Tout. On va savoir
pourquoi ce que tu es venu faire. Donc, comment tu vas appliquer un scénario qui est connu déjà d'avance? Quand tu roules, tu marches dans un labyrinthe où c'est quelqu'un qui ouvre une porte pour que tu passes. C'est celui que tu viens pour jouer contre son dos qui ouvre la porte. Après, tu passes. Quand tu passes, il est derrière toi. Et les gens sont... Je vous ai dit l'autre jour, François, il supplie. Il veut venir au Cameroun. Il supplie. Le pape, votre pape, il supplie. Biadinga, il supplie, il est venu au Cameroun. Biadinga, la question que vous devez vous poser, pourquoi? Comme vous n'aimez pas. Vous voyez ce manque, oh Martinez, Ogo est mort, oh Narita Mugubelinga, oh Laurent Esso, oh Ngongo, oh machin. Je vous dis et je vous répète, vous allez tout faire. Ne venez pas au Cameroun. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Faites tout à l'étranger. Ne viens pas au Cameroun. Avec le mot, je vais implémenter. C'est toi qu'on va implémenter. Quand on va t'implémenter, tu vas dire oui, papa, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Vous croyez que les autres qui sont partis là, c'était parce que... Non. Ça les a dépassés. Il est le seul à détenir tous les codes. Et c'est lui qui peut te passer les codes. Parce qu'il y a des gens... Je vous dis quelque chose. Si tu prends par force, tu n'auras pas accès au code. Et celui qui viendra, si par de malchance que la passation se passe dans le chaos et que par derrière un génie unificateur s'assoit là, vous allez voir de vos propres yeux. Parce qu'il faut qu'on vous parle. On doit vous parler. N'écoutez pas vos grands frères. Vos grands frères sont trompés par la franc-maçonnerie et la rose-croix. C'est des bêtises. Ils n'auront pas. C'est un homme dit qui donne. Il faut que je répète ça. C'est un homme dit qui donne. C'est un homme dit qui donne. Il ne te donne pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut que je sois catégorique avec ça. Tu usurpes ça. Exactement Bokassa. Ça s'en fait, n'est pas un peu pour penser que c'est pourquoi. Donc, lorsqu'on vous dit, oui, le président Donald Trump, voyez comment le président Biden a des difficultés à gouverner les États-Unis d'Amérique. Parce que Trump est parti avec certains codes. Trump est parti avec les codes de l'armée américaine. Trump est parti avec certains codes. On a parlé ça à Biden.
C'est-à-dire l'armée américaine est partie de l'Afghanistan. Parce que Biden n'avait pas les taux. Il pouvait que faire de la figuration comme il a fait là. C'est au-dessus de lui. Il n'a pas les taux de l'armée. Il faut lui donner le décret que Trump avait signé. Lorsque Macron entre au palais de l'Élysée avec Hollande, la première réception, quand Macron sort, il sort avec le cordon, le grand cordon, mais là, son chevalet, il porte sa grosse chaîne. Oui, pouvoir vous dire non, le bouton nucléaire, c'est le code mystique d'emballement de de peuple français, de les enrouler encore plus. Ça existe chez vous là-bas. Ça existe. Je vous le dis tous les jours. Allez demander à John Fundi. Tous les jours, je le dis ici. Demandez à John Fundi pas. Ça s'est passé comment? Quand tu allais prendre ça et tout dit. Raconte. Allez demander. Il a traversé Imana. Traversé Nkozwa. Traversé les villages. Traversé les villages. Tellement ça chauffait. Ça bouillonnait. La route était devenue compliquée. Il a traversé à aller à Monatélé. Les étoiles lui ont dit, si ça te dépasse, laisse ici. Il a déposé à Monatélé. Mais bien après, il a venu chercher. C'est ça qu'il a laissé ici. C'est là-bas où on part tuer Martinet et Zorro. On pense qu'on a choisi. On a choisi là-bas pour rien. Vous n'avez rien compris, hein? Parce qu'on a choisi le côté là, pour rien. Et rappelez-vous bien, cette année-là, c'est là-bas où Paul Bert est parti lancer la campagne. À Moitelé, là-bas. Et rappelez-vous bien, quand il est rentré, les gens qui sont allés acclamer dans le camion s'est ramassé avec eux. Ça ne sort pas comme ça. Si tu prends ça par effraction, le résultat de ça, c'est qu'il faut que ça reparte là où c'était. Et ça a besoin de quelque chose. Ça a besoin du sacrifice. Raison pour laquelle les gars qui veulent la faire ont liquidé Martinet Zogo. Martinet Zogo, il est petit, ça ne pèse pas. Martinet Zogo seul ne peut pas. Ça ne pèse pas. Le sang de Martinet Zogo est petit. C'est petit. Mon ami, il faut au moins un conteneur de 40 pieds. Pourquoi vous avez ça? C'est ça qui est la question. Cabral a fui. Quand nous on le voit, on dit donc, tu es devant les gens. On lui a seulement monté ça un peu comme ça, un peu. Juste un peu comme ça. Ça a chauffé, il a abandonné. Parce qu'il y a plusieurs manières de te tester. Plusieurs manières de te tester. On te teste. Tu dis, tu veux t'asseoir ici? On prend ça. Papa, allez lui demander. Allez lui demander. On lui a testé. Il a donné un peu comme ça, un peu. Lui-même, il a porté la vie, il allait remettre. Lui-même. Lui-même. Il a plus de mal de te tester. Vous pensez que ton père a ses bâtons-là à la maison, ses machines. Vous pensez que ton père danse le dingo chez les Bassa.
Parce que maintenant, tout le monde, tous les enfants qui vont danser le jingo. Hein? Non. Tout un enfant que ça va marcher avec lui, ça va matcher avec lui. C'est à lui qu'on laisse les affaires du jingo. Qu'on a essayé tout le monde. C'est ça que nous avons trouvé chez les pays bamileke là, chez mes beaux-frères. On a dit qu'on a arrêté un chef. Le chef là, il n'a que 12 ans, hein. Oui! Le chef a 12 ans parce que les choses ont marché avec lui. On a laissé les grands de 40, 40, 50 ans, on les a laissés tous. Ça n'a pas marché avec eux, ils sont légers. C'est le petit là de 12 ans là. Ça marche avec lui. On prend le fait asseoir sur le trône. Quoi que c'est pour rien. Et on voit les gens continuer à bagarrer au Cameroun. Ils discutent de pouvoir. Parce que la France les trompe. Vous ne pouvez pas. Je dis tous les jours et je vais toujours me répéter. C'est Paul Biya qui va donner. Tu sais que nous on dit à tout le monde. Regardez bien. Les gens ont déclaré que Paul Biya est mort. Tous ceux qui ont déclaré que Paul Biya est mort, ils ont perdu soit le père, soit la mère. Je me répète. Tous ceux qui étaient sur la toile, en train de crier, oui, nous sommes contents, Paul Biya est mort. Oui, vraiment, mais nous sommes contents, Paul Biya est mort. Tous ces gens qui ont crié sur la toile, qui venaient être contents que Paul Biya est mort. La réalité, c'est que soit c'est eux qui ont perdu, soit c'est le père, soit c'est la mère. C'est lorsque les gens veulent manipuler quelque chose qui n'est pas à leur niveau, on a vu à la télévision un jeune garçon s'asseoir. On lui tend le micro. Il vous dit que Jésus-Christ, que lui il prie, lui a dit que Paul Biya ne va pas atteindre l'élection de 2018. On lui repose la question. Tu es sûr? Il dit que c'est sa crédibilité qu'il a mis en jeu. Parce que Jésus que lui prie est très fort. Mais quand l'heure a sonné, Jésus-Christ a envoyé une petite fille empoisonnée aux États-Unis. Aller lui faire sortir des États-Unis, aller avec lui au Togo. L'empoisonner, abandonner, l'avoir porté, aller mettre à la morgue. Il a fallu qu'on commence à dire qu'il y a encore qu'un Camerounais, que les gens ont commencé à se renseigner sur les Camerounais, qu'on dit que mais il y a un Camerounais qui est mort là-bas au Togo. C'est la femme qui appelle la famille que bon, il y a Guy Papet qui est mort. Hein? Il est mort. Comment ça? Mais il a oublié qu'il avait vu la mort de Paul Biya en 2018. Jésus te montre la mort de Paul Biya. Il ne te montre pas ta mort. Moi, je dis aux jeunes gens qui ne comprenaient rien, qui parlent comme des tonneaux. Paul Barthélemy Biya Bimvondo est une bénédiction pour le Cameroun. Le jour où il partira, vous allez voir de vos propres yeux que Dieu nous garde longue vie sur la terre. Que Dieu nous garde longue vie sur la terre. Moi, j'adore les faits historiques.
Lorsque M. Ayatou, alors premier ministre de la République du Cameroun, voyant le président Biya, il dit au président Biya, donne à l'opposition quelque chose, organise même un dialogue, mais que ça soit contrôlé, fais quelque chose. Président Biya décide de faire ce qu'ils ont appelé au Cameroun la tripartite. Que les gens ne vous trompent pas. Si un Camerounais connaît les faits historiques, aucun homme politique peut lui parler, il écoute. Je peux apporter du crédit. Quand Cabral Libi parle, je peux lui accorder du crédit. C'est le seul. Avec ma tombe, Serge. Les deux là. Tout le reste d'hommes politiques camerounais, pour moi, ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des affairistes. Parce que l'histoire du Cameroun, l'histoire politique du Cameroun est là. Les faits. Lorsqu'on décide d'organiser la tripartite avait un ordre du jour. L'ordre du jour était bien mentionné. Proposition du code électoral consensuel. C'était ça l'ordre du jour de la conférence tripartite organisée à Yaoundé. L'histoire est là. Nous, on prend que l'histoire, on pose sur la table. Voilà l'histoire. Interprétez comme vous voulez, mais ça l'est fait. Ils sont allés au palais de congrès de Yaoundé. Ils ont pris l'ordre de jour que Paul Biya avait écrit. Ils ont fait comme ça. Ils ont jeté. Ils ont jeté. Que le problème, ce n'est pas proposition d'un code électoral consensuel. C'est pas ça le problème. Ils ont dit que le problème, c'est mandat présidentiel défini. À l'imitation de mandat, il faut écrire la nouvelle constitution. Ayatou est allé voir M. Biya. Que voilà ce qu'ils disent, Monsieur le Président. Moi, je vous conseille de leur laisser écrire la nouvelle constitution. C'est vous qui allez l'implémenter. Monsieur Biya juste a dit à Ayatou, ok, va leur dire de faire. Mais à la seule chose qu'ils doivent mentionner, que les institutions seront mises progressivement, que les moyens pourront donner. Mais moi, j'ai proposé code électoral parce que c'est la clé de voûte de la démocratie. Tous. On dit que ce n'est pas le code électoral. Tous. Qui vous chante aujourd'hui? Qui veut le code électoral? Et vous, vous me demandez de les suivre. Parce que je suis bête. Je vois les gens aller en prison pour Kamto. Parce que moi, je suis bête. Je suis fou. L'autre a voulu montrer son intelligence, Bello Bouba. Il dit à cause de la que lui, il est fatigué. Vraiment, il veut se reposer. Pour bien lui dire, bon, tu es fatigué.
Il dit à Paul Biya, oui, il est fatigué. Vraiment, il veut se reposer. Paul Biya lui dit, bon, si tu es fatigué et que tu veux te reposer, moi, je préfère que tu démissionnes d'abord de la tête de l'UNDP. On va gérer ta démission après. Mais démission d'abord de l'UNDP, tu organises le congrès. Tu donnes d'abord le parti à quelqu'un d'autre. Dans ta démission personnelle, on va voir ça après. Jusqu'à aujourd'hui, Paul Biya attend qu'il organise, il organise le congrès. Il a organisé le congrès, il est encore président de l'UNDP. Il vient jouer à Paul Biya le malin. Voilà. Les gens. Il dit qu'il est fatigué. Il veut se reposer. Paul Biya dit, mais pour un bon repos, donne le parti à quelqu'un d'autre. Fais le congrès. On attend toujours. Il est toujours président de l'UNDP, mais il va aller se reposer. Vous croyez que c'est le vrai repos? C'est le vrai repos. On n'apprend pas à Paul Biya comment on fait les grimaces. Il a fait science politique. Il n'y a personne là-bas qui connaît la politique plus que le père là. Tu ne peux pas le ruser. C'est ça qui est la question. Mes frères, tout le monde voit comment ça bagarre au sein de du SDF. Parce que John Fundi a dit clairement à Paul Biya que je veux me reposer. Paul Biya a dit que mais tu ne peux pas te reposer sans, quand tu n'as pas encore réglé ton problème de ton parti. Il faut que tu choisis parmi tes enfants qui tu vas mettre là-bas. Parce que moi, mais je veux choisir quelqu'un. Quand il va décider de partir. Quand vous voyez la guerre, c'est deux camps que vous voyez. Aussi, le radical, l'autre, Nietzsche. C'est ça qui est la question. Donc nous, on connaît ça. Donc tout ce que vous voyez au Cameroun là, il n'y a rien d'autre que la déstabilisation du pays. Pour le colon, c'est acté depuis que ce n'est que le chaos qui peut leur faire reprendre la main sur le Cameroun. Rien d'autre ne peut leur faire reprendre la main sur le Cameroun. En dehors du chaos. Ils sont conscients qu'il n'y a que le chaos qui va leur faire prendre la main sur le Cameroun. Ils sont conscients. Et ils jouent à fond la carte du chaos. Ce sont les métastases de la carte du chaos que vous voyez qui fuse de partout. Mais toi qui ne connais pas, la question que vous devez répondre, donc vous croyez que J.P.R. Remingono est sorcier pour décrire la mort de Martinez Ogo à vous et moi? Vous croyez qu'il est sorcier? Ça ne peut que être les commanditaires. Simple comme bonjour. Ça ne peut que être les concepteurs de l'affaire. C'est pour ça qu'il faut savoir, lorsque tu es journaliste, c'est pour ça que je vais te donner un bon conseil.
d'acheter les pop-corn. Parce que vous n'achetez pas les pop-corn pour manger. J'étais en train de vous dire tantôt, quand j'ai fait une parenthèse, que l'illusion qu'on a installée en 1945 à Bouton Rouge, vous pensez que cette illusion va finir sans que les concepteurs de cette illusion ne se battent? Vous croyez vraiment? Ils se battent comme ils peuvent. Moi, je creuse l'or. Je te donne l'or. Un lingot. Toi, tu entres dans ton imprimerie. Tu imprimes le papier. Tu me donnes. Je veux qu'on se comprenne bien. Moi, je creuse l'or. Massif. Je prends, je te donne. Tu ne me donnes pas l'ordinateur. Tu ne me donnes pas le bateau. Tu entres dans ton imprimerie. Tu imprimes le papier. Tu me donnes. Le papier là. Tu me dis, bon, si tu veux mon ordinateur, donne-moi ça. Je te donne mon ordinateur. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Papa, c'est mon dernier fils qu'on dit comme ça que va te laver. c'est mon dernier fils qu'on dit là que va te laver. Il ne veut pas aller se laver. Ça m'écrit sur toutes les tortures que va te laver. Le gars dit qu'il ne se lave pas, qu'il fait froid. C'est ça que tu as entendu dire comme ça. Voilà l'illusion. Maintenant, si ce n'est pas l'illusion pour vous, c'est quoi? Moi, je prends l'or, je te donne. Massif, je te donne. Toi, tu imprimes le papier, tu me donnes. Si je te donne l'or, Marus, ma Kwankap, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu dis qu'il faut détruire le système pyramidal, aucun pays africain ne peut détruire le système pyramidal. Qui peut détruire le système pyramidal? Il n'y a que trois pays qui peuvent détruire le système pyramidal. Deux, pas toi. Deux. La Russie, parce qu'elle est le seul pays. La Russie et la Corée du Nord, ils n'ont pas de dette. La Russie n'a pas de dette. La Banque mondiale, zéro dette. FMI, zéro dette. Vous pensez qu'on poursuit la Russie, c'est pourquoi? Parce que le système illusionniste a bien compris ce que Poutine veut faire. C'est pour ça qu'ils sont contre Poutine. C'est de ça qu'il est question. Marius, c'est ça qu'il est question. Mais toi, tu regardes l'autre face. Oh, la vraie face, c'est ça que tu es en train de t'expliquer là. C'est pour ça que pour que le système pyramidal disparaisse, il faut que les élites de ton pays travaille. Il ne travaille pas. Tu sais bien, comme moi, qu'ils vivent de la sueur du petit peuple. Parce que le système, comme j'ai expliqué hier, le système camerounais est bâti sur deux piliers. Un pilier, ceux qui travaillent. Deuxième pilier, ceux qui mangent.
Parce que ceux qui mangent, mangent le travail de ceux qui travaillent. Mangent le résultat de ceux qui ont travaillé. Parce que ceux qui ont travaillé ne mangent pas. C'est ceux qui n'ont pas travaillé, c'est eux qui mangent. C'est ça le système pyramidal. C'est comme ça partout. Aux États-Unis d'Amérique. À l'heure où je te parle, aux États-Unis d'Amérique. Tu penses qu'ils ont passé le système du transport des satellites au secteur privé, c'est pourquoi? Les Américains vont dire, nous voulons aller sur Mars. Ils vont lancer une offre. Des entreprises comme StarX vont aller postuler. Nous voulons être votre machine. On va dire, bon, ok, lancez-vous, voilà l'argent. On nous voit un compte à la Banque Centrale. On les vit les milliards imprimés. C'est ça qui crée donc ce qu'on appelle l'activité économique. Or, chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, ce qui crée l'activité économique, c'est les bras du petit peuple. Mais l'élite ne peut accepter en aucun jour que ça finisse. Or, le petit peuple ne connaît pas ça, cette réalité. Le petit peuple, dans son immense majorité, continue de penser que c'est l'élite, c'est Paul Biya qui fabrique l'argent. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Lorsque tu auras 80% des gens qui comprennent que, en fait, si nous arrêtons de travailler, le système tombe seul. Le système tombe seul. Bon, mais comment vous allez donc faire pour arrêter de travailler? Vous arrêtez de produire tout ce qu'on vend à l'extérieur. Vous commencez à cultiver que ce que vous mangez. Le système tombe vrai. Sans effort. On cultive le manioc, le macabo, le plantain, on mange. Avec les légumes. 2 ans, le système tombe vrai. Simple. L'élite va commencer à se faire la guerre. Parce qu'ils vont vouloir contrôler le pétrole. C'est ça qui va leur rester. Si les opérateurs de pétrole brut vont endosser dans la danse, même la production pétrolière s'arrête. Les gens qui vont dans les EVA, les gens qui vont chercher l'or, ils arrêtent. Tout le monde commence à cultiver la nourriture qu'il faut manger. Le système tombe. On n'a pas tiré une seule balle. Le système s'est écroulé. L'élite meurt de faim. Il ne pourra pas venir te battre. Va au champ, va travailler. Jamais. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est pour ça qu'on a donc construit un système éducatif qui t'éloigne de cette illusion. Qui te fait croire que c'est quand tu as fait les bonnes études et obtenu les diplômes, les certificats d'évoluer, tu es un grand connaisseur. On va te vanter où le jeune là, c'est un jeune Camerounais, il connaît les mathématiques, il a la NASA. Tu lui sors de là, il ne connaît rien. Tu lui poses la question, comment tu dois faire pour survivre toi-même? En dehors de la NASA, il ne connaît pas à quelle période on plante le maïs. Il ne connaît pas à quelle période on plante le manioc. Il ne connaît pas à quelle période de l'année on plante la patate douce. Il ne connaît pas à quelle période on met le macabo, le boutu de macabo. Il ne connaît pas à quelle période on met l'igname jaune à terre. Il ne connaît pas à quelle période on fait la pépinière de manguier. Il ne connaît pas, il ne connaît rien. Il connaît les mathématiques. C'est ça qu'on appelle quand le système te sort de ton univers. Parce qu'en Afrique, l'éducation, il faut d'abord t'éduquer sur la nature. Qu'est-ce que tu as besoin de la nature? On t'éduque, on t'enseigne. Tu as besoin de manger quoi? On te dit que ça pousse à telle période de l'année. Ça,
père a pris la retraite. Et quand en 84, mon père rentre au village, ma maman était avec notre père. Elle a oublié les périodes de l'année. Il faut planter telle chose. Elle ne connaît plus. Planter telle chose. Elle partait seulement au champ, elle voit les gens aller aussi au champ. Elle cultive, rien ne donne. Elle se rappelle que j'ai encore une grand-mère là-bas chez moi, dans son village. Elle part là-bas avec nous. Elle dit à sa grand-mère, je viens te voir pour que tu me dises quand est-ce qu'on plante telle chose, l'igname, le plantain, le macabo, les arachides, la patate. La grand-mère nous a fait asseoir, on a ouvert le cahier. Tel mois de l'année, on sème telle chose. Si le mois la passe, on ne sème plus rien. Tel mois de l'année, on sème telle chose. Tel mois de l'année, on sème tout. On a ce cahier à Bafia. Lorsque ma mère était revenue de son village, on a commencé à appliquer la théorie de la grand-mère. Là. Tel mois de l'année, on sème ce tout. Quand moi, je partais en vacances à Bafia, j'ai rentré avec la nourriture comme ça. On disait que ma mère fait la sorcellerie. Parce que la grand-mère a expliqué à la mère, ça c'est l'éducation de la nature. Bon, va apprendre les mathématiques. Prendre la famille, on va voir. On va voir. Va apprendre les mathématiques, on va voir. Encore que retenir, tu as vu que ce sont les mathématiques, mais basées sur la culture. Parce que tu feras des soustractions. Tel mois, à la deuxième semaine du mois, on va planter telle chose. C'est comme ça, papa. C'est ça qu'on a renversé. La pyramide, comme tu parles. On a dit, allez à l'école. Les seules personnes qui savent que l'école et la vie au quotidien n'est pas la même chose, c'est les Bamileke. C'est les seuls au Cameroun. Avec les gens du Nord. Comme d'habitude, comme ils parlent tous les jours. La zone sahélienne, la zone des montagnes. Parce qu'un Bamileke connaît qu'une activité peut m'apporter quelque chose. Il s'assoit au bord de la route avec une caisse. Il vend ses marteaux. 3 ans. Il augmente, il commence à vendre les clous. 4 ans. Il commence à vendre autre chose. Il ajoute. 15 ans, ça devient une quincaillerie. Il aura l'argent. Pendant les 15 ans, toi tu pars à l'école, c'est ton père qui t'achète à manger. Ta femme, ta mère ne part, tu manges. C'est pareil ou non? Il ne connaît pas lire, il ne connaît pas écrire, mais il connaît compter l'argent. Parce qu'il fait le commerce. Il a besoin de ça pour faire le commerce. C'est pour ça qu'au Nord Cameroun, on fait le commerce en foufoule, mais Borosapo. Comme ça. Chez nous, on a dit aux gens, allez à l'école. Vous n'aurez votre salut que via l'école. Et quand on voit venir de la ville, ton frère qui est fonctionnaire au cadre de l'administration, il vient avec la VX au village. Il s'assoit, on ouvre la main arrière. Il donne le vin. Ça, c'était le paradigme d'avant. Donc, on a maintenant venu avec un nouveau paradigme. L'école ne vaut plus rien. Il suffit d'être activiste, blogueur, vendre les mains sur Internet, tu deviens riche. Tu donnes ton derrière, tu deviens riche. Ah, non, vous avez dit, vous qui avez fait là, voilà votre école. Vos diplômes là, ça vous sert même à quoi? C'est le nouveau paradigme. LGBT. C'est ça.
Et lorsque tu te mets à creuser cette histoire d'imbécisme, ce n'est jamais loin, c'est toujours dans la famille. C'est tout dans la famille. Tu as toujours un oncle qui va initier le neveu. Ça ne vient jamais de loin. Toujours dans la famille. Après, celui-là va sortir avec sa dehors. C'est ça. À l'heure actuelle, à Yaoundé, c'est ça qui est partout. Les gens sont à la recherche de l'enrichissement par tous les moyens, excepté le travail. Quelqu'un fait les vidéos sur Internet, il nous l'envoie une grosse voiture, Lexus. Quand on fait les vidéos sur Internet, il vous l'avait Grand Cherokee. Quand on fait les vidéos sur Internet, il vous l'avait Mercedes. Quand on fait les vidéos sur Internet, il construit duplex. Quand on fait les vidéos sur Internet, il construit l'école. À la fin, on te dit, l'école c'est à quoi? C'est parce qu'on est en train de bâtir un nouveau monde bâti sur de l'illusion, bâti sur l'argent fiduciaire créé sur la base de rien. C'est un chiffre. Voyez au Cameroun. C'est ça que vous voyez partout, non? C'est ça que vous voyez partout. C'est pour ça que nous nous disons, priez Dieu que pour le dernier, pas maintenant. Priez Dieu que pour Dieu le garde. Moi, ma position, tout le monde connaît ma position. Je n'ai pas caché ma position. Je me le répète toujours. Ça dépendait de moi. Paul Biya, président, il nous crée un poste de vice-président avec les pouvoirs limités. On passe la loi à l'Assemblée. Il reste président jusqu'à ce que la mort lui prenne. C'est ma position. Parce que le monde que tout nous voit aussi, ça va basculer que dans la violence. Parce qu'ils sont en train de perdre pied. L'Arabie Saoudite dit, je ne vends plus exclusivement mon pétrole en dollars. Je vends mon pétrole en yuan. Je vends mon pétrole en lire indienne. C'est ça qui est la question. Et vous croyez que ça va rester sans conséquence? L'Arabie Saoudite dit que je ne peux plus vendre mon pétrole qu'en dollars. Mes chers compatriotes, ça signifie que le pétrodollar est mort. Le pétrodollar qui était la clé de voûte lorsque le président Nixon avait signé en 1971 l'abandon du dollar hors des États-Unis d'Amérique. Parce qu'à l'époque, on avait dit que le dollar allait être la monnaie qu'on allait commercialiser avec, mais ça sera un dollar basé sur l'or. Et sauf que les Américains ont imprimé plus de dollars. Est-ce que vous savez que les États-Unis d'Amérique ont 250 ans d'existence? Est-ce que vous savez que les 18 mois passés, ils ont imprimé les dollars? Les 18 mois passés, les États-Unis d'Amérique ont imprimé le dollar. La quantité de dollars, ça dépasse la quantité de dollars de 240 ans d'existence des États-Unis. Les 18 mois passés. Vous pensez que les Américains
s'il faut que tous ces dollars rentrent aux États-Unis d'Amérique, le dollar va encore valoir quoi? S'il faut que les gens comprennent la situation où nous sommes, s'il faut que tous ces dollars rentrent aux États-Unis, le dollar va valoir. Mais c'est là. Attendez. Les gens sont en train de jouer leur va-tout en Ukraine. Au même moment qu'ils sont en train de batailler, l'Arabie Saoudite leur poignarde au dos que Zang, comme vous, vous avez poignardé au dos. Avec le nouveau projet de nouveau Moyen-Orient, le Grand Israël, vous avez voulu diviser l'Arabie Saoudite en quatre. Pour ça, on ne va jamais vous pardonner. Vous avez enfreint à la règle signée avec le roi Saoud. D'où le coup d'État organisé par le père de Ben Salman. On a changé le prince héritier. On a mis Ben Salman. Parce que le père du prince héritier, le premier, celui qui avait remplacé Saoud, le premier, avait validé cette division, mais sauf que les Romains allaient être sous la domination de l'Arabie Saoudite du côté où il y a le pétrole. C'est pour ça qu'on a évincé le prince héritier. Trahison. Du coup, ils sont allés faire la guerre au Yémen. Mais si ça rentre aux États-Unis, 700 dollars imprimés, c'est la catastrophe. Vous ne pouvez pas imaginer. Il va falloir porter une brouette d'argent pour acheter un McDo. Tu portes une brouette d'argent pour acheter un McDo. Ils ont donc trouvé donc des solutions. Ils ont dit, pour d'abord nous en sortir, il faut d'abord démanteler l'Union européenne. Et pour démanteler l'Union européenne, il faut que les peuples européens aident au démantèlement de l'Union européenne. Or, on a vendu aux peuples européens une chimère en leur disant que l'Union européenne, c'est la sécurité, c'est l'emploi à gogo. Or, la réalité, c'est que l'Union européenne, ce n'est pas l'emploi à gogo. L'Union européenne, c'est la multiplication par 300 000 de l'évasion fiscale. Le président du comité, quoi? Le président de la Commission européenne, monsieur Jean-Claude Juncker, premier ministre de Suisse, premier ministre de Luxembourg, le Luxembourg, paradis fiscal, mais c'est pas possible, mon cher ami, paradis fiscal en plein Union européenne. Il blanchit l'argent de toutes les multinationales en Europe. Évasion fiscale multipliée par 20. Mais c'est le même Juncker qui dit aux États européens, vraiment, il vous faut avoir un déficit budget en équilibre à hauteur de 3%. Lorsque les bandits se retrouvent à la tête de la pyramide, c'est le résultat. Les bandits se sont installés à la tête des pays européens. Sont en train de les détruire un à un. Ils détruisent les pays européens un à un. Et la finalité, c'est quand les peuples vont sortir. Le peuple français n'a pas de choix. Ils n'ont pas de choix. C'est de chasser Macron. Les Anglais avaient compris ça très vite. Comme c'est les Anglais les concepteurs, c'est pour ça que les Anglais avaient refusé d'entrer dans l'Union européenne, dans la monnaie, dans la zone euro. Ils sont entrés dans l'Europe commerciale. Ils ont gardé leur lit parce qu'ils connaissaient la finalité de la conception de l'Union européenne.
Dès qu'ils sont sortis de là, l'Union Européenne ne fait que partie de scandale à scandale, scandale à scandale. Ils ont déjà imprimé l'argent. Ils sont fatigués. Ils bâtissent l'économie basée sur la planche à billets. La cerise sur le gâteau. Ils nous ont fabriqué avec les Américains alors pour leur mettre KO. Monsieur Fink, le propriétaire de BlackRock, a fabriqué avec des codeurs, des gens qui écrivent les algorithmes, a fabriqué un ordinateur, un logiciel qu'on appelle Aladdin. Papa, les traders n'ont plus moyen parce que BlackRock achète tout. Il a c'est un ordinateur qui calcule ce qu'un être humain va faire pour trader. BlackRock Aladdin a des combinaisons. En une fraction de seconde, va te dire tel produit est mauvais, tel produit est mauvais, achète ça. Ils ont déjà tout acheté. L'Europe, ils vont acheter toute l'Europe quand ça va se démanteler. BlackRock va acheter tout. Il va acheter toute la France. Et c'est vers là où ils sont en train de partir. Pour que ça marche, il faut avoir des hommes linges dans le système. C'est pour ça qu'au Cameroun, on a commencé à vous vanter. Oh, classement fort, les hommes africains les plus riches du monde. Il n'y a pas d'Africains riches. Il faut que je vous dise ça. Il n'y a pas d'Africains riches. Le système illusoire choisit qui je vais déclarer qu'il est riche. On a dit à tout le monde que le Nigeria, Dangote a construit la plus grande raffinerie d'Afrique. Ok. Vous connaissez les brevets qui existent dans une raffinerie? Vous ne connaissez pas. Vous connaissez le pays qui a plus de pénurie de carburant en Afrique? C'est le Nigeria. Dangote a les ciments. Ok. Il a les ciments. Celui qui a inventé le ciment, le produit chimique du ciment. Il n'y a aucun Africain riche. C'est de l'illusion. Tu n'es qu'un portefeuille des multinationales des Occidentaux. Tu n'es qu'un représentant, un gestionnaire. On prend quand on veut, comme on veut. Parce que c'est eux qui écrivent les droits, les lois, la preuve. Notre compatriote Dambulo, lis-le à l'heure où je vous parle, en Afrique du Sud. Il devait à la banque un crédit. 25 milliards de francs CFA. On est en train de saisir, c'est bien. On a déjà saisi, c'est bien à hauteur de 300 milliards de francs CFA. C'est pas fini. La question que vous devez vous poser, pourquoi? Si tu refuses de jouer pour nous, on va te chercher les problèmes. Il faut tout faire. Il ne faut pas
que les Camerounais pensent que lorsque vous voyez des gens qui sont au Cameroun, qui prient Dieu matin, midi, soir, que la guerre s'installe au Cameroun. Mais c'est parce que ces gars ne comprennent pas dans quoi ils sont. Parce que si notre frère Martinez Zogo savait ce qu'il attendait en s'asseyant à la radio, parler ce qu'il parlait, il allait savoir c'est qui l'a pas, c'est qui le chasseur, c'est qui la proie. C'est clair. Il allait bien comprendre, il allait analyser les actes qu'il posait. On veut me tuer. 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 La même personne, quelques mois plus tôt, je vous ai mis sa vidéo ici. C'est parce que les gens veulent déstabiliser le Cameroun. Mais comme Paul Biya est encore là, c'est pour ça que ça ne marche pas. Le jour où il partira, comme je le dis et je le répète, vous allez voir de vos propres yeux. Ça sera le chaos généralisé. Vous allez avoir un régime violent qui va s'installer au Cameroun. Toutes les chaînes de télévision vont fermer. C'est au Cameroun. Je dis bien, toutes les chaînes de télévision qui sont installées au Cameroun vont fermer. Soit ils deviennent tous les chaînes de la de l'idéologie des capitalistes. C'est moi qui vous dis. Ils ne veulent plus de démocratie. Elle ne les a pas servis. La démocratie a effrité leur système illusoire. Ça a montré leurs failles. Aujourd'hui, chasseurs du Mali, chasseurs du Burkina, ils sont installés au Bénin. À peine ils se sont installés au Bénin, on a commencé à tuer les gens au Bénin. À peine installés. Quand on va les chasser au Bénin, ne croyez pas que les Togolais ont ouvert New World Télévision pour rien. Les Togolais ont compris qu'il faut jouer à l'attaque. Avec les gens, s'il faut jouer à l'attaque, ils ont ouvert New World Télévision pour taper un grand coup. Ils sont allés chasser les Français à la FIFA pour la diffusion des matchs de Coupe d'Afrique, Coupe du Monde en Afrique. Ils ont chassé Canal Plus. Les Français étaient indignés. Vincent Bolloré n'a que vu du feu. Parce que les Togolais ont compris. Ils sont que à l'attaque. Ils sont sur la France. Ils tirent parce qu'ils savent. Ils disent que les Camerounais nous ont montré le jeu. Pierre chaîne de télévision ne fait que dire nous on ne fait que allumer. Parce que quand tu allumes, ils comprennent que. Mais les gars, allumer là, ça éveille les consciences du petit peuple. C'est ça qui arrive au Cameroun. C'est pour ça que l'administration camerounaise est coincée, est prise entre les feux. Tout ce qu'il veut faire, certains panafricanistes camerounais ont expliqué ça depuis 20 ans, 10 ans, avant. C'est pas aujourd'hui qu'on parle de coup d'état scientifique. C'est depuis des années.
Et les gens voyaient ce que l'État s'entrait venir doucement, doucement. Résultat de course, les Togolais ont dit que les gens, si on a compris, ils ont ouvert l'UOTV. On a recruté un Camerounais, on avait un directeur de programme. Vous croyez que c'est pour rien? Ils attendent. C'est ça qui est la question. Il faut bien savoir dans le système que nous sommes aussi là. C'est le feu. C'est le feu. Les Américains ne vont pas accepter perdre leur leadership sans qu'il y ait les petits poissons qui payent. Un petit poisson qui ne va pas comprendre où se cacher derrière un grand. Si tu veux jouer sur les deux tableaux, mon ami, ne croyez pas que Paul Biya a envoyé le ministre de la Défense avant de signer les contrats, les accords de défense avec la Russie pour rien. Ne croyez pas qu'il a envoyé le ministre de la Défense pour rien. C'est un message clair. Est-ce qu'ils ont rendu public? Non, ça reste pour eux. C'est ça. Les télévisions françaises ont crié « Wow, 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 wow !» Les Camerounais s'en prennent des trucs, je m'en fous. C'est ça qui est la question, mes chers compatriotes. Comme ne vous trompe pas, ouvrez vos yeux. On a décidé refaire une deuxième conférence de Berlin. Je vous ai dit ça depuis 2018. On est en train d'aller vers là. On est d'aller vers là. Parce que c'est le nouveau système. Chacun veut avoir son territoire en Afrique. On chasse bien les... la France qu'on chasse. Je vous ai dit ça. Moi, arrête là. On se voit demain. Comme je vous dis tous les jours, tant que le président Biya est là, dormez tranquille. Mais si vous apprenez qu'il a donné le pouvoir à quelqu'un, soyez-en sûr que les génies ont marché avec la personne. Paix à son âme. Germain Ahidjo disait, c'était Iboua qui était en pole position. Elle n'a pas compris pourquoi son mari a choisi Biya. Oui, parce que le président Ahidjo Baba, c'était un monsieur qui aimait les traditions. Quand il va y donner le nom de Iboua, on tape sur le sable. On ne voit pas. On tape le nom de Biya. Ça sort avec les garanties. Tu veux quoi? Le père Biya, Ahidjo ne pouvait que dire que non. C'est vrai. Il passe les cons. Ça ne marche pas avec le père, moi. Ça ne marche pas avec le père ici. C'est de ça qu'il est question. Mais, si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras plus rien comprendre. Même les gens que vous voyez, il faut lire le titre que Jeune Afrique a titré. Donc, Cameroun Tribune. Pour lire Cameroun Tribune. Le violent que le titre. Tout est dedans. Le diable est dans les détails. Bonne soirée, on se prend demain.